cette émission, on fait qu'une jasette avec Patricia Caouette, coordonnatrice de l'organisme Tourisme d'Olbeau-Mistassini. Tu connaîtras les étapes de sa préparation avant l'entrevue et comment, parfois, il faut rester ouvert et savoir saisir les opportunités qui se présentent à nous. Elle t'expliquera aussi ce que fait réellement un récréologue et pourquoi cette profession mérite d'être connue. Donc, bonjour Patricia et bienvenue à l'émission. Donc, on va commencer. Peux-tu te présenter puis faire un bref résumé de ton parcours jusqu'à maintenant? Certainement. Patricia Caouette, j'ai 33 ans, native de Olbeau-Mistassini. Mon parcours, j'ai tout d'abord fait mon... En fait, il y a le secondaire, bien entendu, à Olbeau-Mistassini. Ensuite, je me suis dirigée au cégep à Saint-Félicien. J'ai fait 2 ans en arts et lettres, profil cinéma et communication. Ensuite, bon, ben là, il y a eu le moment où, tu sais, le cégep, en fait, c'est comme une période de transition, hein, avant l'université. Je savais que je voulais faire des études universitaires, mais je ne savais aucunement dans quel domaine. J'ai toujours été une fille qui aimait les arts, la culture, une fille qui bougeait. J'ai fait du sport en masse à l'école. J'étais dans les équipes de volleyball, par exemple. J'ai joué au golf. Fait que, tu sais, j'étais à la fois active, puis j'étais impliquée aussi également dans les comités. Donc, je ne savais pas trop où m'en aller. J'ai vu le cours, en fait, en loisirs, culture, tourisme, qui se donnait à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Puis, aussitôt que j'ai lu la description du cours, j'ai dit, ça y est, c'est ma place. Donc, loisirs, culture, tourisme, en fait, c'est le seul cours qui se donne au Québec. C'est là, à Trois-Rivières. Puis, ça rejoint des gens de toutes les régions du Québec. C'est ça qui est cool dans l'affaire, c'est que tout le monde arrive de partout, tout le monde a des bagages différents. Le récréologue travaille à la planification. Comment je dirais ça? En fait, le récréologue s'occupe principalement d'organiser. Que ce soit des activités au niveau des loisirs, le loisir sportif, le culturel, l'événementiel. En fait, dans mon mandat, on a à opérer, moi et mon équipe, le bureau d'accueil touristique. Et puis, porte d'accueil? Oui, okay. Exactement. C'est différent. En fait, il y a un agrément que le ministère donne au bureau d'information ou au bureau d'accueil touristique. Et nous, on est dans la catégorie accueil touristique. OK. Donc, on s'en va rencontrer mes employés. Qui sont sur le terrain, là, qui s'occupent d'assurer les opérations. Fait que là, dans le fond, ton poste, c'est coordonnatrice au développement touristique puis t'es récréologue de métier. Fait que là, comme là, justement, on est allé, tu as parlé avec tes employés sur place. Là, on s'en va au camping à Mistassini, au camping des Chutes. Qu'est-ce qu'on va aller faire? C'est planification, de la gestion, supervision? C'est quoi, sur le terrain, qu'est-ce que ça fait une coordonnatrice au développement touristique et récréologue? En fait, bien avant d'aller sur le terrain, il y a toute une partie de planification là, qui se passe. Dans le cas des campings, bien, ça se passe tout l'hiver. Je dirais que 80 % du temps, on est en mode planification, organisation. On monte des budgets, on fait des plans d'embauche, on analyse des problématiques, on essaie d'apporter des solutions. Fait que l'été, c'est vraiment le contrôle des opérations. Donc là, l'été, on a des employés, les campings sont ouverts, par exemple. Mm-hmm. Et puis, je fais souvent des visites comme ça là, pour m'assurer que les opérations se déroulent bien. Puis pour faire le suivi avec les employés, garder le contact avec les employés, c'est super important aussi. Non, c'est sûr que d'être derrière son bureau, puis d'être sur le terrain, même si tu planifies des choses, si tu le vis pas, c'est dur de te l'imaginer, là, c'est certain. Puis ça doit être apprécié des employés aussi parce qu'ils voient que tu t'impliques. Tout à fait. C'est une belle méthode de reconnaissance, là, d'aller constater leur réalité sur le terrain. Tu sais, des fois, on dit le plan sur papier puis le plan réel, ça peut être c'est à des lunes. Choses. Exactement. Fait que c'est aussi de voir qu'est-ce qu'on peut corriger pour l'an prochain, qu'est-ce qu'on peut améliorer pour nos services.
Puis, de temps en temps, on croise un touriste, on lui pose des questions. Fait que c'est vraiment de tâter le pouls là, de la clientèle, et de la clientèle touristique et des employés sur le terrain. Il y a des débouchés énormes dans ce domaine-là. On pense notamment à des centres de personnes âgées où il y a quelqu'un, un récréologue, qui s'occupe d'animer la clientèle. Ça peut être dans les écoles, ça peut être dans le domaine sportif, ça peut être dans le domaine culturel. Moi, par exemple, j'ai un débouché dans le municipal, donc ça peut être une autre avenue également. Fait que c'est un domaine hyper large, donc n'importe qui a vraiment une tendance à être dynamique, impliqué, qui a envie d'être dans le feu de l'action, ben il va trouver quand même sa voie dans ce domaine-là parce que c'est hyper large. Fait que là, donc tu es à Trois-Rivières pour faire ton baccalauréat. Exactement. C'est un bac de 3 ans. Et puis, à travers ces 3 années-là, il y a la possibilité de faire un stage de 8 mois quand même. Quand même? À la 2e année. Un stage de 8 mois dans n'importe quel domaine qu'on souhaite. Moi, je suis allée à la ville de Baie-Comeau. J'ai passé 8 mois là. Je suis partie toute seule avec ma voiture à Baie-Comeau pour me dépayser de un. De deux, c'était dans le milieu municipal. C'est ce qui m'intéressait le plus. Puis, j'ai passé vraiment 8 mois superbes à apprendre. C'était dans le feu de l'action. Fait que c'était vraiment la meilleure façon d'apprendre. Et puis ensuite, après l'université, quand j'ai terminé mon bac à Trois-Rivières, je me cherchais un petit peu. Je trouvais que la formation de récréologue manquait un peu de cours au niveau de l'administration. Donc, tu sais, on nous apprend à être des directeurs, des gestionnaires. Donc, toi, tu as le baccalauréat. Les gens qui ont une technique en loisirs, est-ce que c'est les mêmes tâches, les mêmes possibilités d'emploi? Je vous dirais qu'en majorité, les gens qui font la technique vont être plus sur le terrain. Les gens qui ont fait le bac vont pouvoir viser des postes plus de direction, des postes d'organes, plus de planification. Actuellement, dans le marché où on est, quelqu'un qui a une technique peut très bien se rendre à un poste de direction par le cumul des expériences, par exemple. Fait qu'on voit souvent ça présentement. Mais on a très peu de connaissances sur le côté administratif, donc j'ai vraiment voulu aller rechercher plus d'informations puis de connaissances à ce niveau-là. Donc, j'ai fait un certificat en administration à l'UQAC, à Chicoutimi. Okay. Puis au niveau de ton parcours professionnel, là, après ça, vers quoi tu t'es dirigée? Quand j'ai terminé mon certificat à l'Université du Québec à Chicoutimi, je me suis rendu compte que j'avais un fort intérêt à travailler dans le milieu touristique, mais je ne parlais pas anglais. Donc, on sait, au Lac-Saint-Jean, ici, c'est pas inné. On ne l'apprend pas en grandissant. Et puis, j'ai déménagé à Tremblant, Mont-Tremblant. Okay. J'étais déjà allée faire un voyage de ski là-bas, puis j'avais remarqué que tout le monde parle anglais là-bas. Fait que je me suis trouvée un emploi dans un hôtel, dans une réception d'hôtel. Et j'ai passé là 2 ans. J'ai appris sur le tas, comme on dit. Donc, je parlais à peu près pas anglais. J'ai été engagée, puis j'ai vraiment appris à vitesse grand V, je peux dire ça comme ça. Ça a donné que j'ai vu passer une offre d'emploi pour une technicienne en loisirs pour un regroupement de 5 municipalités autour de Tremblant. Donc, c'était une première, c'était un projet pilote. Fait que j'ai appliqué là-dessus, je l'ai eu. Je faisais une journée par semaine dans chaque village. Et puis là aussi, j'ai appris à une vitesse assez phénoménale parce que je travaillais avec 5 conseils municipaux, 5 maires, plusieurs comités de bénévoles. Fait que là, vraiment, j'étais sur le plancher des vaches. J'installais les guirlandes dans les fêtes de village. J'organisais le patin romantique. Tu étais immergée, là, vraiment. Oui, vraiment. Il y a très peu de choses que je n'ai pas faites pendant ces années-là, puis c'est correct parce que ça m'a montré la base de l'organisation d'événements, du milieu municipal, du milieu communautaire aussi, culturel, sportif. Fait que c'était très enrichissant comme expérience. Le domaine du loisir, ça a beaucoup évolué, dans le fond, dans les dernières années. Comment tu vois le futur pour ton métier? C'est certain que le métier, ou je dirais les services de loisir, prenaient pas une aussi grande place
il y a plusieurs années. Mm-hmm. Et de plus en plus, on voit des villes, par exemple, qui placent le service des loisirs au même niveau que la gestion des égouts, par exemple. Tu sais, c'est un service, c'est devenu un service essentiel, exactement. Mm-hmm. Donc, au niveau du tourisme, c'est un peu la même chose. Puis les deux sont intimement liés, là, bien entendu. Si on crée des attraits ou des infrastructures pour les citoyens, bien, directement, le touriste va pouvoir en profiter aussi. Et vice-versa, si on développe, par exemple, une activité de location d'équipements nautiques sur une rivière, bien, c'est autant le touriste que le citoyen qui peut en profiter. Fait que dans le futur, bien, c'est certain que si le loisir prend autant de place dans notre vie, j'imagine que ce service-là va se développer. On va peut-être appeler ça aussi davantage un service qui vise la qualité de vie, mm-hmm. de peu importe les clientèles, autant les citoyens que les touristes. Puis ben j'espère que cette formation et ce métier-là va être encore plus reconnu qu'il l'est actuellement. Bon, le mot loisir peut être très large. Mm-hmm. Ça peut être du loisir sportif, du loisir culturel, du loisir communautaire, du tourisme. Mm-hmm. Et puis notamment là, dans les cours dans le baccalauréat en loisir, il y a des cours de marketing, il y a des cours de ressources humaines, de recherche. Donc, c'est vraiment à tous les niveaux. On touche un peu à tout. Puis le récréologue va travailler à... Je dirais que c'est des agents d'amélioration de la qualité de vie des citoyens et des citoyennes. C'est un bon titre, je trouve. Oui. Puis ça prend quoi comme qualité et attitude professionnelle pour aimer ça puis réussir dans ce domaine-là? Je dirais, vite comme ça, faut être dynamique, ça c'est certain. Je pense qu'il y a une espèce de côté humain aussi qu'il faut apporter dans notre travail, qui est très important. De la rigueur, quand on parle de planification, suivi des échéanciers, mm-hmm. c'est très important. Puis faut aimer les gens, faut être à l'aise. La créativité aussi. La créativité, très important, merci de le souligner, effectivement. Faut être innovant, faut être créatif. C'est ça, c'est un domaine qui est le fun, qui est joyeux. Tu sais, on travaille pour améliorer, comme je disais tantôt, la qualité de vie des citoyens. Mm-hmm. Donc, il y a quelque chose de très gratifiant dans ce milieu-là également. Mm. Tu organises des affaires, tu sais, c'est supposé être le fun, tu sais, hein? Des activités, des loisirs, des événements. Tout à fait. Et même au niveau touristique, on s'assure de développer des attraits ou offrir des services touristiques pour des gens qui sont en vacances. Mm-hmm. Donc, c'est très rare que les gens arrivent avec une baboune en vacances. C'est sûr. Donc, qu'est-ce qui t'a fait retourner en région, principalement à Dolbeau-Mistassini? Je dirais l'appel des racines qui était vraiment présent. J'ai toujours eu beaucoup de liens. Je suis très proche de ma famille, de mes amis. Donc, d'être à 7 heures de route de Dolbeau, je trouvais ça difficile. J'ai rencontré mon conjoint à Tremblant, puis est venue une opportunité de travailler à Péribonka. Et puis, j'ai ouvert la porte avec mon chum. J'ai dit, est-ce que ça te tente de te dépayser, puis de changer de région, puis embarquer dans l'aventure avec moi? On a habité à Péribonka en juin 2017. Et puis, j'ai occupé le poste de coordonnatrice du tourisme et des loisirs à Péribonka de 2017 à tout récemment, jusqu'en 2023. Et maintenant, je suis coordonnatrice au développement touristique pour Tourisme de Beaumistassini. Donc, Patricia, c'est quoi les impacts de ton travail dans la communauté? C'est certain que les loisirs et le tourisme, ça a un impact majeur pour le bien-être de la communauté. On est une communauté qui met de plus en plus d'emphase sur les loisirs dans notre vie personnelle. Mm-hmm. Donc, d'offrir des services touristiques, des activités, des événements, c'est certain que ça dynamise la ville, ça nous fait rayonner aussi à l'intérieur du territoire, ça met un impact positif pour recruter aussi peut-être des nouveaux employés, mm-hmm. Parce que sans les employés, là, nos services ne fonctionneraient pas. C'est assez la pierre angulaire là, dans le milieu touristique. Y a sûrement des défis aussi dans ton travail. Je ne vous cacherai pas que sûrement que ça revient souvent, là, mais le défi de la main-d'œuvre, on l'entend beaucoup, c'est vraiment une réalité. Donc, dans tous les secteurs confondus,
On n'a pas nécessairement de problème à recruter, mais on est toujours limite. Si quelqu'un tombe malade, si quelqu'un part du jour au lendemain, ça peut débalancer tous nos services, toutes nos opérations. Donc là, tu es arrivé nouvellement à ton poste. Ça a été quoi le cheminement puis le processus pour ta recherche d'emploi puis le dépôt de ta mise en candidature? Tout d'abord, ça faisait 6 ans que j'étais à Péribonka, que j'occupais le même poste. Et puis, j'ai vu passer une offre d'emploi que je convoitais depuis longtemps. Donc, ça faisait 6 ans que je n'avais pas mis à jour un CV, que je n'avais pas passé d'entrevue. J'ai eu le réflexe d'appeler à ce moment-là le Carrefour pour m'aider dans ma démarche. Question de me préparer adéquatement puis de me donner toutes les chances de réussir. Il y a plusieurs types de chercheurs aussi qu'il faut prendre en compte. T'sais, il y en a qui sont déjà en emploi, qui ne sont pas en recherche d'emploi active, comme on dit, puis que là, whoop, ils voient une offre d'emploi arriver, puis ils sont intéressés. Ils n'avaient jamais pensé changer, mais là, ils changent. Fait que ça demande des questionnements. Ça demande de traverser une certaine zone de confort pour faire un changement dans notre vie. Il y a d'autres chercheurs aussi qui viennent de perdre un emploi ou plusieurs emplois, fait que la façon de chercher ne sera pas la même non plus. Il y a des gens qui vont juste avoir besoin d'aide pour faire leurs outils, leur CV, tout ça. Fait que il y a plusieurs façons de chercher un emploi, puis tu sais, c'est pas à négliger non plus, là. Fait que dans le fond, Patricia, elle a eu vraiment le meilleur réflexe, là, selon moi, c'est vraiment de nous appeler pour venir chercher de l'aide parce que la recherche d'emploi, c'est bien plus complexe qu'on pense. C'est pas juste de faire son CV. Le CV, il doit être adapté selon le poste que tu vas chercher. Il doit être adapté aussi selon tout, toi, là, tes compétences, donc ton savoir-faire, ton savoir, toutes tes formations. Fait qu'on va vraiment mettre ça de l'avant. On va aussi aider à faire la préparation d'entrevue. On peut même faire des simulations, donc une pratique. Puis ça va vraiment, vraiment préparer la personne pour tout ce qui est la méthode de recherche, des stratégies, comment aller porter son CV. C'est pas à toutes les places que c'est de la même façon. Des fois, c'est par Internet, des fois, c'est en personne, des fois, c'est des gros, gros et longs processus d'embauche. Des fois, ça peut être une discussion autour d'une table. Fait que, de venir chercher de l'aide et de l'accompagnement, bien, ça peut être juste bénéfique, dans le fond. Ça a été quoi? Dans le fond, vous avez regardé le CV, la lettre de présentation, simulation d'entrevue. Ça a été... Qu'est-ce que tu as fait avec l'intervenante en employabilité? Ils m'ont aidé vraiment à tous les niveaux. Premièrement, on a regardé ensemble l'offre d'emploi. On a vraiment décortiqué l'offre d'emploi, chaque tâche. Est-ce que je suis à l'aise? Est-ce que c'est dans mes compétences? C'est quoi mon savoir-être, mon savoir-faire, mes études? Puis avec ça, l'intervenante m'a aidé à monter ma lettre de présentation puis mon curriculum vitae. Après ça, bon, j'ai envoyé mon CV à l'organisme. Et puis, lorsqu'il est venu le temps de passer l'entrevue, j'ai fait une simulation d'entrevue aussi avec le Carrefour. Puis ça m'a vraiment aidé parce que ça faisait 6 ans, comme je le disais tantôt, que je n'avais pas passé d'entrevue. Puis on dirait qu'on ne sait pas à quel point on a vécu des expériences, on a des compétences, tu sais. Fait que ça m'a aidé à mettre des mots dans ma bouche pour comment me préparer. Comment te mettre en valeur, finalement, tu sais. Tout à fait. De mettre son CV à jour, dans le fond, ça fait faire un bilan. Qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie? Qu'est-ce que j'aspire aussi? C'est quoi mes valeurs au travail rendues aujourd'hui? C'est quoi ma cible d'emploi? Je veux changer de domaine, mais qu'est-ce que je veux plus aussi, tu sais? Dans l'exemple de Patricia, elle n'était pas prête à changer d'emploi. C'est pour ça qu'elle est venue chercher de l'aide, pour faire le bilan, pour mettre des mots dans sa bouche. Quoi démontrer à l'employeur? Pourquoi qu'elle serait bonne pour faire cet emploi-là, tu sais? Donc, nous autres, ce qu'on a fait, c'est qu'on a vraiment regardé ensemble c'est quoi tes compétences, c'est quoi tes expériences, c'est quoi tes formations, qu'est-ce qu'on peut mettre de l'avant sur ton CV pour que ton CV serve à te rendre en entrevue. Puis en entrevue, tu vas aller miser sur quoi? Pourquoi je suis motivée à changer d'emploi? Qu'est-ce qui m'intéresse dans cette job-là? Donc, c'est tout ça qu'on va aller chercher. Puis, tu sais, il n'est jamais trop tard ou c'est toujours le bon moment de mettre à jour son CV ou sa préparation d'entrevue parce qu'on ne sait jamais ce qui va arriver. Ça se peut que demain matin, il y a la job de rêve qui descende du ciel, puis là, hop, mon CV n'est pas fait, tout ça. Ça peut être réaliste de le faire à temps.
mais de le mettre en valeur déjà, aussi, ça donne confiance, puis ça fait une belle démarche, dans le fond, un beau parcours à faire avec nous. Tu sais, au début, tu savais pas si tu allais appliquer ou pas. Oui. Fait que, tu sais, il y a comme un accompagnement qui était fait avec ton intervenant, ton employabilité pour ça. Tu sais, est-ce que j'y vais, finalement, même si c'est le poste de mes rêves, je quitte-tu une place que j'aime parce que tu n'étais pas à la recherche d'emploi actif, là? Donc, ça a été quoi ce processus-là d'accompagnement? Exactement. Mais comme tu viens de le dire, j'étais pas à la recherche d'un emploi, sauf que c'était une opportunité à saisir pour moi. J'étais très insécure, puis l'intervenante m'a aidée à comme combattre cette insécurité-là. Je suis pas quelqu'un d'envie qui aime ça se vanter. Certains diront « je manque peut-être d'assurance », mais c'est correct. Parce que non plus, je me surestime pas. Fait qu'avec l'intervenante, j'étais allée comme me valider. Mm-hmm. Je le savais que j'avais des compétences, je savais que j'avais des qualités pour réussir. Mais l'intervenante est venue me motiver. C'était quasiment comme un coach de vie. Du genre, vas-y, t'es capable, t'as tout ce qu'il faut. Puis le pire qui peut arriver, c'est un non. C'est tout. Fait qu'essaye-le, on sait jamais. Quand on est déjà en emploi et qu'on ne s'attend pas à changer d'emploi, là, comme Patricia, c'est arrivé, bien, ce qu'on va faire, nous autres, c'est vraiment d'évaluer les pour, les contre. Pourquoi faire un changement? On va aller regarder un peu, là, c'est quoi les bénéfices, parce que c'est sûr qu'on reste quand même dans une zone de peur, la peur du changement. Sortir de sa zone de confort, c'est pas évident. Fait que, tu sais, si ça fait 20 ans qu'on est dans un endroit puis qu'on se questionne, même si on décide de rester au même endroit, bien, ça peut toujours être bon de venir nous voir pour en jaser quand même. Fait que c'est ça qui m'a aidée, puis pour vrai, je le referais à 100% cet accompagnement-là. Donc, là, tu as passé l'entrevue pour le poste à laquelle tu avais postulé au départ, mais tu ne l'as pas eu. Par contre, tu as eu un autre poste, celui que tu occupes aujourd'hui. Qu'est-ce que tu retires de cette expérience-là? C'est certain que si je n'avais pas passé l'entrevue initiale pour laquelle je n'ai pas eu de poste, je ne serais pas assise dans cette chaise-là aujourd'hui, là, en tant que coordonnatrice au développement touristique. Donc, l'entrevue que j'ai faite, que je n'ai pas eue, bon, oui, une espèce d'échec, un sentiment de « bon, ben. Un peu déçue. Déception, exactement. Sauf que je suis une fille d'envie qui voit les choses d'une façon assez positive. Donc, je me suis dit, bon, bien, advienne que pourra. Puis, j'ai fait confiance à la vie. Puis, heureusement, bien, je me suis fait remarquer. Puis, à cause de cette entrevue-là, bien, je me suis fait proposer quelque chose d'autre. Fait que dans le fond, c'est de dire qu'il faut vraiment rester ouvert parce qu'on ne sait pas où que ça peut nous mener, puis ça peut vraiment nous ouvrir d'autres portes, finalement. Donc, merci, Patricia, vraiment pour ton partage, pour ton authenticité, pour ton honnêteté. Donc, je te souhaite bonne chance dans ton nouveau poste, puis merci beaucoup d'être venue à l'émission. Merci, Joanie. Bonjour, c'est Isabelle Gagnon. Cet automne, j'anime Portrait des familles d'ici, une émission de discussion intergénérationnelle qui fait entrer en dialogue nos aînés et leurs descendants.
Découvrez à chaque épisode une nouvelle famille dans MRC de Maria Chapdelaine qui échange sur son passé et raconte comment les membres ont laissé leur marque dans leur municipalité. Soyez-y à Ma TV, Saguenay-Lac-Saint-Jean. Présence animale est une nouvelle émission qui a pour objectif de mettre de l'avant la relation de confiance et de respect entre l'humain et l'animal. Chaque semaine, nous allons à la rencontre des gens passionnés qui nous feront découvrir l'importance de la sensibilisation, de la confiance avec l'animal et aussi de démystifier certains préjugés. Suivez-moi dans cette belle aventure! Accès MRC, c'est une émission d'information animée par moi, Isabelle Gagnon. J'y reçois des représentants d'organismes et de l'administration municipale de la MRC de Maria Chapdelaine qui viennent nous parler de leur organisation et de leurs projets. C'est un rendez-vous cet automne à Ma TV Saguenay-Lac-Saint-Jean. Si j'ai dans mon entourage des gens qui viennent d'ailleurs, ben j'ai ma belle-fille qui aime ça faire la popote. Mais j'ai pris ça bien dur au début quand la famille aimait mieux ses desserts que mes tartes au bleuet. Et finalement, l'ouverture sur la cuisine des différentes cultures, ça a tout changé pour moi. Au fond, c'est enrichissant d'apprendre des personnes différentes de nous. Puis mes desserts sont bien meilleurs à cette heure. Oh! Je suis prête pour le lécher de doucher! On dit « d'offre du leite, Martine ».